Yo, les amis, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, une petite visite d'un village médiéval du nom de Rodemack. On va aller visiter ça de suite. Un village riche en histoire et en jolies choses de toutes sortes. Donc, on se retrouve à Rodemack tout de suite. L'entrée du village. Présente ma maman. Présente ma maman. On arrive au jardin de Rodemack. Petit shooting. Une diversité de plantes, une espèce de petit parc botanique médiéval avec des plantes médicinales. Une belle odeur de lavande, plein de petits papillons partout. De bonnes odeurs, camomille. Des petits fruits, là. Du cassis, des framboises, non, juste du cassis. Une belle ambiance mystique ici. Que nous sommes le long des remparts, aux abords du village. Je vous conterai l'histoire tout au long de la vidéo. Une histoire très riche, un village très très ancien.
déjà dans les années 1800, 800. On parlait déjà de lui dans les écrits. Il existait déjà. Il était au cœur de pas mal de guerres. Pas mal de peuples voulaient s'approprier ce village. Sûrement par sa situation géographique, qui est vraiment juste à côté des trois frontières. Hein. Nous ici on appelle ça les trois frontières justement, parce que bah, y a la France, il y a le Luxembourg et il y a l'Allemagne juste à côté. Et du coup, c'était une place relativement bien centrée pour entrer à une place stratégique, quoi, disons. T'avais accès rapidement à trois pays, mais du coup, assez isolé. C'est pour ça qu'il a été, il a changé de main à plusieurs reprises. Village très charmant, hein. Très fleuri. Le petit coin nature, hein. Petite promenade très dépaysante. On va aller voir ça. Merde, j'ai pas de masque sur moi. Voilà dans les rues de Rodemack, donc très atypique à ce que je vous disais. Mais eux, les petits panneaux qui témoignaient de l'activité passée. Ici l'association qui s'occupe de refaire tous les châteaux, tous les remparts, etc. Portail ministériel.
encore. Ça devait être l'atelier d'un peintre. Ouais. Atelier de peinture de Jean Rondé. Voilà, relais de poste. Un artiste. Les premières traces écrites de Rodemack remontent à l'époque romaine. Au 9e siècle, Louis le Pieux offre Rodemack à l'abbaye de Fulda en Allemagne. L'abbé Huoki échange contre d'autres terres plus proches Rodemack à l'abbé Regina d'Echternach au Luxembourg. C'est en 1019 que la première mention d'un seigneur de Rodemack est faite, le sire Friedrich de Rodemacher. En 1067, l'abbaye d'Echternach est alors à son apogée et reprend le contrôle. De nouveaux seigneurs du comté du Luxembourg reprennent une grande importance, aimant guerroyer et augmentent leurs possessions. Leurs conquêtes s'étendent de Montmédy à Metz. En 1492, le dernier seigneur de Rodemack est déclaré félon. Tous ses biens sont confisqués et sont remis au margrave de Bave, Christophe Ier, par l'empereur Maximum d'Autriche. En 1542, une armée française commandée par Charles d'Orléans et Claude de Guise se rendent maître de la forteresse. En 1558, le duc de Guise reprend la cité, mais le traité de Cateau-Cambrésis rend la cité à l'Espagne en 1559. En 1639, en pleine guerre de 30 ans, le duc de Guise reprend la cité pour encore devoir l'abandonner à nouveau, peu après l'avancée des impériaux. Les troupes françaises la réoccupent en 1643. La cité change de main entre l'Espagne et la France jusqu'en 1678. Le traité de Versailles en 1769 reconnaît l'occupation française de Rodemack, mais sa position géographique ne favorise pas sa tranquillité. En 1792, le bourg est encore une fois assiégé par l'armée de duc de Brunswick qui envahissent la France. Le dernier fait majeur se passe en 1815 où l'armée prussienne en fire leur siège. Ils durent partir après des pertes énormes. Rodemack était sous le commandement du général Hugo, père de Victor Hugo.